L'esprit vous libère. L'esprit vous libère. L'esprit vous libère. L'esprit vous libère. Mettez la main. Mettez la main. Là où tu as été. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je commande à l'esprit du célibat. À l'esprit du célibat. À l'esprit du célibat. Quand tu rencontres une personne et ça ne fait pas long feu. Quand tu rencontres une personne, oui, ils sont là maintenant même. Je commande à l'esprit du célibat de lâcher ta vie. Le célibat lâche ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, là où tu as été, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Elle vient jusqu'à toi. Elle vient jusqu'à toi. Elle vient jusqu'à toi. Elle te libère. Je commande. Je commande à la maladie. Dans ton corps, le délivrer. La maladie te libère maintenant. Pendant que je parle, pendant que je suis en train de parler, ton corps n'a pas de guéri. Pendant que je parle, ton corps n'a pas de guéri. Pendant que je parle, au niveau de ta tête, le miracle n'a pas de secret. Au niveau de ton pied, le miracle n'a pas de secret. Là où tu as été, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Elle vient jusqu'à toi. Je commande. Aux esprits de délâcher, je commande aux esprits de délâcher qu'il te libère maintenant. Et qu'il te libère maintenant. Et qu'il te libère maintenant. Maintenant, un bon souffle sur toi. Un bon souffle sur toi. Pour balayer toute malédiction. Toute malédiction. Et tout ce qu'ils ont fait dans ta vie. Toutes ces morts qui n'étaient pas de Dieu. Qui a été semé par l'ennemi. Disparaît. Disparaît. Il est fait. Ne reçois pas tes dépenses. C'est un vide. Là où tu as été. Plus au niveau. La puissance de Dieu te touche. Elle 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 te touche. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Maintenant même. Maintenant même. L'Esprit de Dieu te visite. Là où tu as été. Je commande au démon de te lâcher. Lâche-la. Au même esprit. Lâche-la. Donne-moi ton nom. Si, donne-moi ton nom. C'est un ordre.
C'est un nom. Ouvre la bouche et donne-moi le nom. Ouvre la bouche et donne-moi le nom. Tu vas me donner ton nom. C'est la puissance de Dieu. J'invoque le feu du Saint-Esprit dans ta bouche. Et je délie ta langue. Ouais, je délie ta langue. Oui, je délie ta langue. Je délie ta langue. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu es sa mère, donne-moi ton nom. Tu vas me parler au nom de Jésus. Donne-moi le nom. Jésus-Christ a décidé de la délivrer. Elle sera délivrée. Que tu veux ou pas, elle sera délivrée. Je ne veux pas. Si. Non. Si. Non. Si. Si. Qu'est-ce que tu as envoyé dans sa vie? Qu'est-ce que tu as amené dans sa vie? Qu'est-ce que tu as semé dans sa vie? Qu'est-ce que tu as semé dans sa vie? Esprit de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu as semé dans sa vie? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as semé dans sa vie? Parle. Qu'est-ce que tu as envoyé dans la vie de cette dame? Puissant de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu as envoyé dans sa vie? Parle-nous au nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle. Le feu est sur toi. 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 Qu'est-ce que tu as envoyé dans sa vie? Qu'est-ce que tu as envoyé dans la vie de cette dame? Parle maintenant. C'est un ordre. Tu ne pourras pas résister à cette action de Jésus-Christ. Ce puissant nom de Jésus-Christ. Jésus a décidé de délivrer cette dame. Au nom de Jésus-Christ, je te commande. Je te commande. Mets-toi en genoux. Mais bon, mets-toi en genoux. Je te commande de te mettre en genoux et de reconnaître la souveraineté de Jésus. Mets-toi en genoux. Mets-toi en genoux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, mets-toi en genoux. Tu te mets en genoux. Oui, mets-toi en genoux. La Bible déclare que tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Oui, mets-toi en genoux. Mets-toi en genoux, maintenant là. Maintenant. Je te commande. Oui, commande au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Mets-toi en genoux. Allez. Allez. Maintenant, parle. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie de cette âme? Qu'est-ce que tu as fait, les amis? Parle. Voilà, parle. Qu'est-ce que tu as fait, les amis? Je l'ai envoûté. Oui, il l'a envoûté. Tu as envoyé quel esprit dans sa vie? Quels sont les esprits que tu as envoyés dans sa vie? La sorcellerie. Oui. Tu l'as rendu sorcier, c'est ça? Fais ce que je fais pour détruire son foyer. Tu as fait comment? Tu l'as envoûté. Je lui ai donné à manger la nuit. Tu lui as donné à manger la nuit. Tu l'as rendu sorcier, c'est ça? C'est ça? Tu lui as donné à manger. Quel genre de nourriture? Quel genre de nourriture? Quel genre de nourriture? Du riz. Du riz. Sorcier mange pas riz. La seule chose que sorcier mange, c'est bien de l'homme. Non. Vous connaissez Chouguya, c'est pas autre chose. Je ne lui ai jamais donné la viande. Et tu l'as rendu sorcier, c'est ça? Je l'ai envoûté. Envoûté. Et qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? J'ai détruit son fils. Son fils. Son fils. Son fils. Comment il s'appelle le fils que tu as détruit? Le nom du fils que tu as détruit. Le nom du fils que tu as détruit. Ange. Et qu'est-ce que tu as détruit dans la vie d'Ange? J'ai mis la
Tu as mis la folie. Comment tu t'es arrangé? Comment tu t'es arrangé pour mettre la folie dans la vie des anges? Par ses habits. Par ses habits. En quoi faisant? Qu'est-ce que tu as mis dans les habits? Et qu'est-ce que tu as gâté encore dans la vie de cette dame? Qu'est-ce que tu as gardé encore détruit dans la vie de cette dame? Je suis en train de détruire cette finance. Tu es en train de détruire cette finance. Comment? Comment? Ça ne marche plus. Comment tu es arrivé à détruire cette finance? Comment tu es arrivé à détruire cette finance? Explique. Explique. Tu as pris son argent. Vous pouvez vous asseoir tout le monde. Laissez-moi faire la différence. Tu as pris son argent. C'est ça? Tu as pris son argent. C'est ça? Et tu as mêlé ça dans le monde de la sorcellerie. Tu as mêlé dans le monde de la sorcellerie. C'est ça? C'est ça, démon. Esprit de la sorcellerie. Pourtant, tu es sa mère. C'est ça? Est-ce qu'une mère peut détruire sa fille? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Hein? Arrive à tes presses. Et donner ta fille. Vous allez la manger. Vous allez la manger. Donc tu as donné la fille. Tu as donné ta fille. Tu as donné ta fille. Tu as donné ta fille, c'est ça? C'est ça? Comment tu as arrivé à prendre ta fille dorée? Vous l'avez déjà tué? Vous l'avez déjà tué? Ah. Vous l'avez déjà tué? Vous l'avez déjà tué? Parle mon nom de Jésus. Vous l'avez déjà tué? Tu l'as programmé. Tu l'as programmé. Pour quand? 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 Parle au nom de Jésus. Tu dois parler au nom de Jésus. Parce que Jésus a décidé de libérer cette âme. Au nom de Jésus. Parle maintenant même. Démon, esprit de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Je vois le 23 septembre, c'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est pour le 23 septembre. C'est ça? Elle va dormir, elle va mourir, elle va plus s'élever. C'est ça? C'est ça? Maintenant, lâche ça. Laisse ça. Voilà, laisse ça. Laisse ça. Je te commande de la libérer. C'est un homme, maintenant même. Pendant que je parle, tu libères son foyer, tu libères Ange, tu libères ses finances, tu la libères maintenant. Prie bagage et va-t'en. Prie bagage et va. Lâche ses finances. Lâche Ange. Lâche son foyer. Lâche ses finances. Je te commande. Pendant que je parle, rampe et va. Rampe et va. Rampe et va. Rampe et va dans la mer. Rampe et va dans l'océan. Tu vas ramper et partir dans l'océan. C'est un ordre. Tu m'entends? Rampe et va dans l'océan. Rampe et va dans l'océan. C'est un ordre. Rampe et quitte ce corps et va dans l'océan. Au nom de Jésus. Va derrière. Voilà. Commande le feu sur toi. Commande le feu. Commande le feu. Commande le feu sur toi. Je commande le feu sur toi. Oui. Voilà, papa. Je commande. Commande le feu sur toi. Commande. Commande le feu sur toi.
Allez. Va-t'en. 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 Je vois l'esprit de mort sur ton bébé. Va-t'en. Va-t'en. Commande. Je commande. Lâche-la. Lâche-la. Voilà. Rends. Et va dans l'océan. Vas-y. Voilà, va-t'en. 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 Va, va-t'en. 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 Voilà, va-t'en. Je commande de partir. Va quitter ta vie, tu seras totalement délivré.
Et nourrir dans ta vie pour contrôler toute ta vie. Père, vous venez d'être délivré d'un mauvais esprit.
Jésus vient de délivrer ton foyer. Jésus vient de délivrer tes finances. Il vient de délivrer sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Je peux connaître ton nom? Qu'est-ce que tu as ressenti tout à l'heure? Et après? J'ai envie de tousser. Je voyais Salamande plein de sang rouge, c'est rouge, avec quatre têtes. Quand c'est sorti, ça s'est envolé et c'est parti. Nous acclamons la puissance de Jésus-Christ. Allez-vous asseoir. Lâchez sa vie. C'est un ordre. Vous devez l'exécuter maintenant. Et nous puissant de la sorcellerie. Vous commettez de tout corps. De vos corps, de lâcher son âme. Oui, c'est un ordre. Lâchez-le. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Je brise les chaînes de la captivité. Je brise les chaînes. Maintenant, le feu est invoqué sur vous. Le feu, est invoqué sur vous. Lâchez-le. Allez-y. Amen. Lâchez-le. Amen. Feu. Lâchez-le. Le feu. Du Saint-Esprit consulte tes œufs. Le feu du Saint-Esprit consulte tes œufs dans ce corps. Lâche-le. Lâche son âme. Vous m'attendez? Libérez-le maintenant. Allez-y. Amen. Lâchez son âme. Redonnez-moi son âme. Toi, mon esprit de mort, quitte ce corps. Je commande à son âme de venir. Lâchez-le. Vous le libérez maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu de Dieu. Je vois deux personnes qui ont attaché par partout ton cou. Ils sont en train de lutter, ils ne veulent pas te lâcher. Laisse-le maintenant. Je vous commande. Au nom de Jésus-Christ. Et au Nazareth, de lâcher son âme. De lâcher son âme. Lâchez sa vie. Lâchez sa destinée. C'est le feu qui est invoqué. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Come on!
Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Et vous avez dit Amen. Amen. Et vous avez dit Amen. Oh, oh. Comment t'appelles? Hein? Tu viens d'où? Comment? Lâche le nom de Saint-Tiche. Lâchez son nom. Allez. Allez. Lâchez le vent de Saint-Dich. Lâchez son vent. Voilà, lâchez son vent. Lâchez son vent. Oui, lâchez son vent. Lâchez son vent. Allez. 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 Vous qui aimez la délivrance, vous qui voulez pratiquer la délivrance, tout chrétien appelé à chasser les démons. Amen. La Bible déclare que voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Je dis à mon nom, ils chasseront les démons. Les démons sont faits pour les chasser. Quand vous constatez qu'un démon a commencé à se manifester dans un corps, chassez-le. Parce que s'il n'est pas chassé, il est encore plus dangereux. C'est comme un serpent qui est blessé. Ne lâchez pas le corps. Mais non, non. Vous devez prier jusqu'à ce que vous ayez le corps. On dit Amen. Vous avez ce pouvoir. On dit Amen. Vous avez ce pouvoir. Alléluia. Parce que Christ est en vous. Et la Bible déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Je te commande de lâcher ton homme. Aucun démon n'a le pouvoir sur les chrétiens. Amen. Vous avez le pouvoir sur les esprits. Vous avez le pouvoir sur la nature. Vous avez le pouvoir sur toute chose. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est en vous. Je veux que la parole dise, je fais tout par celui qui me fortifie. Vous pouvez tout. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre déjà. Élie était de la même nature que nous. Il a arrêté la pluie s'est arrêtée. Tout à l'heure, quand j'ai commencé mon enseignement, je vais en dominer, tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est toi qui fais que les païens se foutent de Dieu. C'est qui en toi, ce chef? C'est l'esprit supérieur. Amen. Amen. Alléluia. Tu es un danger pour le royaume de Satan. Tu es peur au royaume du diable. Tu ne sais pas. Que tu trembles devant le petit démon. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pas que le pouvoir de la vous avez le pouvoir de la vie de la mort. Vous avez vu les gens de la vie et la mort sont tout au bout de nos lèvres. Comment on va commencer? Alléluia! Ordon sera ordonné! Tout devant toi! Mais bon, lâche-moi!
Voilà, lâche. Donne-moi ton emploi, toi, esprit. Donne-moi ton nom. Comment tu t'appelles? Je ne vais pas demander de pleurer, même si tu étais vaincu. Dis-moi ton nom. Oui, c'est que je suis ton pardon. Je veux ton nom, si c'est tout. J'étais tellement édifié par ce témoignage. Elle était à prier pour ma fille. Sa fille a été guérie. Vous pouvez faire. Ce n'est pas une question du prophète Grasso. Vous voyez des mots, vous tremblez. Vous m'appelez le prophète, son numéro, c'est un problème. Vous n'allez pas conduire au rang, bonjour, votre correspondant ne veut pas te dire. Voilà, encore, il y a eu. Ça c'est bien. Vous êtes, je vais faire mon portable. Au rang, bonjour.